Chers collègues, mesdames, messieurs, euh, la répétition est la mère de la pédagogie et je crains bien qu'aujourd'hui je vais être très pédagogue puisque beaucoup de choses que, que j'avais préparé de dire ont, ont déjà été euh, signalées. Donc j'ai le grand plaisir de, de vous parler d'Orbi et euh, rappeler ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, les principales raisons initiales qui nous ont amenés à l'open access, c'est ce graphique, hein, l'évolution des coûts des périodiques. J'ai arrêté de le faire en 2012 parce que c'était vraiment trop désespérant. On voit la grosse ligne rouge en dessous, c'est l'évolution du coût de la vie en Belgique. Les autres lignes, c'est l'évolution du coût des périodiques. Catastrophique pour les sciences de la vie, mais même pour les sciences humaines, on est presque au triplement sur la période euh, investiguée. Et, et je le présente aussi euh, comme ça, c'est chaque année, la simple augmentation du coût des périodiques pour mon université représente la perte du salaire de trois chercheurs. Chaque année, nous perdons la possibilité d'engager trois chercheurs simplement à cause de l'augmentation du coût des euh, périodiques. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, ça c'est le travail de la communauté scientifique de la publication. On lit, on imagine, on cherche, on trouve, on analyse, on compare, on rédige les articles, on les soumet à des revues. C'est encore nous, communauté scientifique, qui faisons le reviewing. Et la seule chose que font les éditeurs, c'est de publier. Et encore, ils ne le font même pas au format papier. Et évidemment, avec ça, ils se font un paquet de, de dollars. On a déjà repris plusieurs fois leurs bénéfices nets après impôt. Ce qui est impressionnant, c'est de voir l'évolution pour Elsevier entre 2002 et 2012. Ils ont passé 33% de bénéfices nets après impôt grâce à l'open access. Ils sont maintenant à 37,8% de bénéfices nets après euh, impôt donc euh, euh, tout va bien euh, pour eux alors c'est ce pas la seule raison qui nous a amenés à l'open access, c'est aussi et surtout finalement maintenant des raisons éthiques. Est-ce que c'est normal que plus de 99% de la population mondiale n'a pas accès à ce qui a été financé par le public et qui est le savoir qui sert à développer notre, notre humanité Est-ce que c'est normal que les PME, que les, que les gens des pays du Sud, que le citoyen ne peut pas accéder au savoir que nous construisons Est-ce que c'est normal qu'il n'y a plus aucune université qui peut acheter les périodiques dont ses chercheurs ont... Ont besoin. Donc c'est vraiment les, les questions qui, qui nous préoccupaient. On a choisi la voie verte, green first. Bien sûr, on a travaillé aussi du côté de, du Gold, on a développé le portail des publications de périodiques scientifiques, c'est PopUp, parfaitement gratuit pour le lecteur, parfaitement gratuit pour les, pour les auteurs et pour les, les responsables de revues. C'est une infrastructure qui est à disposition de chacun dans l'université et qui ne coûte pas grand-chose. Donc on se demande pourquoi les éditeurs nous font payer aussi cher pour faire ce qu'on arrive nous à faire pour vraiment très, très peu d'argent. Euh, nous, on a décidé de ne pas du tout aller vers les, les APC, de ne pas du tout soutenir cette, cette piste, parce qu'on n'en a pas les moyens, on a fait le calcul ça nous coûterait trois fois plus cher que ce que nous payons déjà actuellement et c'est déjà un paquet de millions euh, aux éditeurs et euh, non plus d'aller vers euh, l'offsetting, donc le transfert du coût des publications vers les APC dans les grands big deals avec les éditeurs non seulement parce qu'on n'a pas les moyens ça va coûter beaucoup plus cher très très vite que la situation actuelle mais pour des raisons éthiques et Bernard Rentier vient déjà d'en de, euh, parler donc c'est Green First et c'est le développement d'Orbi dont les principales caractéristiques, c'est d'abord d'être un seul système avec deux objectifs, c'est l'ensemble des publications de l'Université de Liège en un même endroit, et c'est en même temps un répertoire, un repository institutionnel avec objectif d'accès ouvert. Une deuxième caractéristique qu'on retrouve très peu ailleurs, et ça me surprend, c'est que chez nous, le dépôt, il est entièrement fait par les auteurs c'est pas un truc de bibliothécaire n'est pas un truc d'informaticien la publication c'est le travail du chercheur et ça lui coûte les cinq minutes trois minutes pour les plus jeunes pour déposer chacun des, des articles. notre job bibliothèque c'est de mettre en place l'outil de le mettre à disposition de former les gens à son utilisation et d'assurer toute la technologie qui est, qui est derrière mais certainement pas d'ajouter les références ni même de les corriger s'il y a euh, des erreurs troisième caractéristique c'est le respect de chaque acteur. il n'est pas question de faire des choses illégales et on travaille beaucoup avec les auteurs pour leur expliquer les droits qu'ils ont et ce qu'ils peuvent faire réellement euh, sur le système. si ils ont eu l'intelligence de ne pas céder leurs droits à l'éditeur eh bien, ils peuvent déposer d'emblée en open access. Si malheureusement, ils ont signé euh, qu'ils donnaient tout gratuitement à l'éditeur, euh, on les invite à aller vérifier si la politique de l'éditeur ne leur permet pas de déposer quand même en open access, et c'est très fréquent sur un répertoire institutionnel euh, comme Orbi. Sinon, ils le mettent en accès restreint, comme on l'a dit tout à l'heure, et là, en un clic, n'importe qui dans le monde peut demander un tiré à part électronique. Automatiquement, tous les auteurs ULG concernés reçoivent la demande. Et d'un clic, ils peuvent dire oui ou ils peuvent dire non, et le document est acheminé euh, du côté de l'auteur. Et évidemment, la quatrième caractéristique, c'est ce fameux mandat euh, ULG. Euh, J'aime bien de rappeler comment les choses se sont passées, c'était 2007-2006, je ne sais plus très bien le, la date. On échangeait par mail avec Bernard Antier, et je lui disais, bah, si jamais euh, on incite les, les auteurs à déposer, on va avoir 7, 8, 10 de taux de compliance. C'est pas mal mais c'est pas terrible, ce serait génial si on pouvait le rendre obligatoire. Moi je disais ça comme ça euh, certain que jamais on allait faire ça parce que la liberté académique vous imaginez c'est quelque chose. J'ai pas de réponse et puis un peu plus tard dans la soirée, je reçois un très court mail, il me dit "OK, on y va." Là, je dis, je, il est devenu fou, il a bu quelque chose, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout normal qu'il ose dire, OK, on va rendre obligatoire dans notre université le dépôt des textes sur, euh, le, le, sur le répertoire institutionnel. Eh bien, il l'a fait. Et effectivement, en 2007, on l'a dit, les références de toutes les publications depuis 2002 de tous les membres ULG doivent être déposées dans Orbit. Et si c'est des articles de périodique scientifique, alors, en plus, on doit déposer le texte intégral. Et comme on l'a dit, on n'a pas le choix. Si on ne met pas le texte intégral, on ne saura juste pas faire le dépôt de la référence. Accès ouvert ou restreint en fonction des droits euh, qu'on a. Et l'incitant fort, c'était effectivement, bah, vous avez publié dans Nature, vous ne l'avez pas mis dans Orbi, c'est comme si vous n'aviez rien fait euh, du tout, dans tous les cas où il y aura une évaluation de dossier à l'université. Et en fait, ce n'est pas vraiment obligatoire. Le chercheur n'est pas obligé de déposer sur Orbi, il peut très bien ne pas le faire. Et l'université décide, elle, comment elle évalue ses chercheurs. Chacun est libre. Évidemment, ça a quand même marché. Quand on voit l'évolution, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, les chiffres, effectivement, ont pu, un peu évolué. On vient de dépasser les 155 000 références euh, sur Orbi. Et euh, j'espère qu'ici, dans le cadre de l'année du bicentenaire, on va passer les 100 000 références avec texte intégral. Euh, le taux de compliance, on, on l'a vu, on l'avait calculé euh, déjà en 2012 en comparant avec euh, Scopus. Donc, quelles sont les publications qui sont dans Scopus, qui sont également dans Orbi Et on arrivait à un taux de 82%. Euh, 82%, c'est ça Non. 82%. Euh, on a refait la même chose dans, dans Web of Science euh, l'année suivante et on a obtenu exactement les mêmes résultats. Bernard Antier l'a dit, hein, l'étude internationale d'Alma Swan va même plus loin puisqu'elle a observé plus récemment un taux de compliance de 87%, bien au-delà des 7 à 12% qu'on observe dans les autres euh, répertoires institutionnels qui n'ont pas le même incitant au niveau de l'évaluation. C'est aussi quelque chose que Bernard Antier a dit, c'est on pensait avant Orbi que la production scientifique des chercheurs de l'ULG était autour de 3500 publications, communications euh, par an. Si on regardait dans Scopus, c'était en dessous, et dans Web of Science, évidemment, aussi euh, bien en dessous. Eh bien, voilà les chiffres. Donc, c'est la courbe du nombre de dépôts par année de publication. Et on voit qu'on est maintenant au-delà de 10 000. Donc, le rapport, il est de 1 à 3 maintenant. Au-delà de 10 000 publications et communications déposées dans Orbi. Euh, par les chercheurs de l'université euh, de Liège. Alors, évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est que pour les années les plus anciennes, la courbe n'arrive pas à 10 000. Donc, soit ils ne foutaient rien à ce moment-là, ou plus probablement, ils n'ont pas déposé encore dans Orbi des publications plus anciennes qui probablement n'arriveront jamais. À peu près le même graphique que, que ce qui a été présenté tout à l'heure. Hein. On voit que les deux tiers, c'est de la production scientifique traditionnelle les articles, les chapitres, les, 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 les livres, les mémoires et thèses, les communications publiées. Et à peu près un tiers d'autres choses. Au départ, ces autres choses n'étaient pas très importantes pour moi. Et puis les chercheurs nous disent Mais attendez, si les posters qu'on fait dans les congrès, les communications que le responsable du congrès a décidé de ne pas publier, de la ça participe à la grande conversation scientifique, c'est des choses importantes qui jusqu'à présent disparaissaient à la fin du congrès. Même chose, les documents pédagogiques qui sont là quelque part, c'est des choses importantes. Un chercheur me dit Grâce à Orbi, toute la production pédagogique que je fais est maintenant utilisée dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique, etc., et réellement utile au développement du savoir de ces pays-là. Avant Orbi, ce n'était juste pas possible. Ça, c'est un graphique que je trouve très intéressant c'est l'évolution des, des textes intégraux. On voit que, euh, je ne sais pas si je ne souris, oui, ici, qu'au début, eh bien, il n'y avait qu'un gros quart des publications déposées d'Orbi qui étaient mises en open access, et à peu près la moitié des textes qui étaient en open access. Ça évolue d'année en année et maintenant, on a presque la moitié des dépôts des full texts dans Orbi, c'est de l'open access. Et les trois quarts, ils mettent le texte intégral. Ça montre bien que les chercheurs ont compris tout l'intérêt qu'il y avait à déposer en accès intégral. Alors que ce n'est pas demandé, le mandat, c'est juste, vous déposez le texte en open access ou accès restreint si vous voulez. Là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est à quel moment est-ce qu'ils déposent dans euh, Orbi. La règle, c'est dès que c'est accepté par l'éditeur, dès l'acceptation de publication. Eh bien, on observe qu'en règle générale, il dépose dans Orbi avant la date de publication. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans pas mal de secteurs, parce que ça veut dire qu'on va être lu plus tôt, on va participer plus vite au développement du savoir, on va être cité plus vite. Bien sûr, il y a aussi les retardataires qui attendent des mois ou même parfois des années après la publication pour déposer dans Orbi, probablement en attendant une campagne de promotion. Alors, euh, l'effet du bâton, clairement, au début, ça a joué. Effectivement, euh, c'est en ça probablement qu'on n'y serait pas arrivé. Mais, et c'était important pour moi, si on met le bâton, il faut absolument que le chercheur y trouve son compte. Qu'il ait plus de bénéfices que de contraintes. Et donc, on a réduit au maximum dans l'outil les contraintes. Je ne voulais pas un outil de bibliothécaire, je ne voulais pas un outil d'informaticien pourri que personne n'a envie d'utiliser. Je voulais quelque chose qui ressemble aux besoins des chercheurs. En quelques clics, quelques trucs, on arrive à un beau résultat facilement. Et de l'autre côté, on maximise les bénéfices en ajoutant les services à valeur ajoutée le plus possible pour qu'ils se disent ben ouais, c'est pour Bernard rentier pour lui faire plaisir, mais en même temps, moi, j'y gagne. Donc ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de perdre les cinq minutes pour le faire. Il y a toute une série de, de valeurs ajoutées qu'on a développées, je vais en montrer l'une ou l'autre. Et je voulais revenir sur l'effet du, du bâton. Si on regarde les trois petites fenêtres qui sont là, c'est les trois campagnes de promotion dans le corps académique de l'Université de Liège, et on voit qu'il y avait une grosse bosse. Première année, effectivement, euh, pendant les, les deux, trois mois avant la, les promotions, ils ont déposé intensivement. On est même arrivé à plus de 700 dépôts sur une seule journée. Vous imaginez, le serveur, il était un peu sous stress. Là. Et puis cette courbe, cette bosse, elle se retrouve dans les autres campagnes, mais de plus en plus faible. Cette entrée dans les mœurs, je n'ai pas été au-delà de, de 2014, parce que maintenant, elle est quasi euh, invisible euh, euh, sur un graphique. Alors, conformité au mandat, oui, effectivement, pas le choix, les articles de périodiques depuis 2002, ils sont tous avec le texte intégral. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les autres types de documents où ce n'est pas obligatoire, ou pour tout ce qui est antérieur à 2002, le résultat est extrêmement intéressant. Il dépose largement avec le texte intégral, et bien souvent, ce texte intégral est en open access, alors que rien ne les y euh, oblige. Voilà, un exemple de service à valeur ajoutée, c'est les fameux rapports de publication. Il y a des modèles différents par type de discipline. On ne présente pas son rapport de publication de la même manière en médecine qu'en philosophie. Et donc, on a défini avec les secteurs la manière dont ils souhaitaient que ce soit présenté. Et ça se fait tout seul, en, en un clic. Et on a toute une série d'informations. Hein. Est-ce qu'il y a un texte intégral Avec le petit cadenas, c'est de l'accès restreint. Les autres, c'est de l'accès ouvert. On a ajouté toute une série d'éléments bibliométriques. Et c'est important pour moi. Parce que jusqu'à présent, les évaluateurs se contentaient de l'horrible facteur d'impact. Vous voulez le facteur d'impact, vous allez l'avoir. Celui d'aujourd'hui et celui de l'année où l'article a été publié. Et puis on va vous donner l'impact factor 5 aussi, et puis on va vous donner aussi l'eigen factor, on va vous donner le nombre de citations dans Scopus, on mettait aussi celui de, de Google Scholar jusqu'à ce qu'il nous blacklist, et on vous donne toute une série d'éléments bibliométriques qui ne vont pas dans le même sens. Et qui invite les, les, les évaluateurs à se dire, mais tiens, il n'y a pas qu'un chiffre. On ne réduit pas une publication, on ne réduit pas un chercheur à un seul chiffre. C'est une combinaison d'éléments, 24 critères dans, dans, dans la proposition européenne. Et finalement, ça vaut peut-être le coup d'aller lire le document pour se faire une idée. On a aussi le nombre de sites à, de, de, de download à partir d'Orbi, etc., euh, etc. Et on peut même, euh, à la fin avoir une synthèse avec un même H-index du, du rapport de, de publication. Voilà, une autre valeur ajoutée, c'est la possibilité en trois clics de générer un petit composant qu'on va mettre dans sa page web de labo ou sa page web personnelle, et automatiquement à partir de là, tout qui va aller sur cette page va voir votre liste de publications actualisée automatiquement dès que vous avez ajouté quelque chose dans euh, Orbit. Un autre gros travail, c'est le référencement. Moi, je ne suis pas convaincu que tous les chercheurs du monde entier, d'Australie, du Japon et, et Nouvelle-Zélande, vont se dire :« Je fais une recherche sur tel sujet. J'ai quand même aller voir à l'université de Liège sur leur truc Orbi, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. <laughs> » Donc, ce qu'on a fait, ce n'est pas tellement développer l'interface de recherche publique qui est dans Orbi, c'est travailler le référencement. On a travaillé très fort sur Google, sur Bing, même sur Baidu pour les, pour les Chinois, pour être très présent euh, là-bas. Et en règle générale, une publication déposée sur Orbi, elle est fouillée par Google et une heure après, elle est visible sur Google et Google Scholar. Il y a aussi euh, l'équivalent de Microsoft qui s'appelle Microsoft Academic. Et puis, tous les harvesters en particulier en dessous, vous le voyez, BASE de l'université de Belfield, qui, qui harveste, des, je crois que c'est plus de 2000 répertoires institutionnels dans le monde. Donc c'est devenu une base de données fabuleuse pour trouver des publications scientifiques, il y en a plus de 100 millions, accessibles gratuitement par un répertoire institutionnel dans le monde. Aussi sur PubMed, maintenant, un chercheur du monde entier qui va sur PubMed et qui trouve un article qui a été publié par un chercheur ULG. Sauf si c'est Elsevier, parce que ce sera lié Elsevier qui va apparaître en premier lieu, mais même pour beaucoup d'autres auteurs, il verra directement dans PubMed le lien vers euh, Orbi. Ici, euh, à votre droite, euh, il y a aussi tous les outils de Discovery qui sont utilisés dans toutes les bibliothèques euh, du monde. Hein. Et donc, vous êtes sur votre bibliothèque, dans votre outil de Discovery quelque part, vous faites une recherche, vous allez trouver tout ce qui se trouve sur Orbi en open access automatiquement. Donc la logique, c'est être présent partout où les chercheurs du monde entier font des recherches bibliographiques d'une manière ou d'une autre. Puis alors aussi sur les réseaux sociaux en particulier, on tweete systématiquement toute nouvelle publication déposée dans, dans Orbi. Alors ça peut être tweeté et être visible autrement. Alors les visualisations et downloads à partir d'Orbi, eh bien les voilà. Je n'ai pas mis de pourcentage, je n'en sais juste rien du tout. C'est ce qui vient s'ajouter aux autres visualisations et downloads par le site de l'éditeur, par 36 choses, hein, par, euh, par des pages personnelles, par des photocopies du printemps, etc. Donc c'est en plus de ce qui est déjà euh, visible par d'autres manières, de, par d'autres outils. Voilà l'évolution des downloads sur Orbi. Les premiers mois, les premières années, on était vraiment content, ça montait petit à petit, on arrivait à à euh, jusqu'à euh, euh, quelques dizaines de milliers de, de, de downloads par, euh, par mois. Et puis, subitement, à l'été 2014, qu'est-ce qui se passe Ça tombe. Et là, la première réaction, c'est de se dire les chercheurs du monde entier sont sur la plage ou bien en montagne et, et ils ne cherchent plus, hein, ils sont en train de se reposer. Mais ça tombait vraiment très fort. Alors, on a commencé à creuser dans les logs, à analyser, etc., euh, ce qui se passait. Et on a compris qu'en réalité, notre ami Google avait décidé de changer ces manières de fouiller les répertoires institutionnels dans le monde, ces manières d'analyser les pages web et donc de nous référencer. On a essayé de prendre contact avec eux, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu travailler avec les ingénieurs de Google et adapter notre manière de présenter les références d'Orbi d'une manière compatible avec leurs demandes. Et dans les jours qui ont suivi, c'est remonté. Mais ce n'est pas remonté un petit peu, ça a explosé nos, nos, nos limites. Et donc maintenant, on doit changer les, 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 les axes de, du graphique pour montrer où on en est dans le nombre de downloads. 2016, 4 millions de downloads à partir d'Orbi. Et je dis des downloads à partir d'humains. Parce qu'on a des outils qui filtrent tout ce qui est fait par les bots, par les robots de Google, etc. Si on laissait tout ça, on peut tripler, quadrupler les, les nombres. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont faites par les euh, humains. Et en moyenne, on a maintenant 10 000 downloads par jour. Qui se font à partir d'Orbi, c'est quand même un gain de visibilité gigantesque. Je vous l'ai montré sur la carte, voilà en 15 jours d'où viennent les accès sur Orbi. Alors, il y a quelques pays, effectivement, qui n'ont pas accédé. C'est 15 jours. Si je vous montrais sur une année complète, il y aurait peut-être qu'un pays qui resterait qui n'a pas accédé. Euh, à Orbi. Donc c'est un gain de visibilité qui est fabuleux. Avec parfois les petites surprises, hein. euh, ici euh, c'est évidemment un, un article fabuleusement intéressant pour le monde entier, c'est les décrets oraculaires pris en l'honneur d'Enutawi et de Matkaré au 10e et septième pylône. C'est essentiel pour le développement de l'humain, hein. on est d'accord. Le nombre de downloads par jour, par mois était extrêmement limité, les spécialistes du domaine. Et puis, subitement, la Chine devient passionnée par ce sujet et en un mois nous fait presque 500 downloads. Et évidemment, c'était un nouveau fouilleur de web, un nouveau robot qui avait été créé. Donc, on est extrêmement attentif à ça. Et systématiquement, on a des outils pour repérer ce genre de choses. Et ce qu'on fait, c'est modifier tous les downloads, si on a repéré celui-là, on va supprimer tous les downloads qu'il a fait de nos statistiques, de manière à ce que les évaluateurs aient des statistiques qui collent réellement à la réalité de ce qui est fait par les euh, humains. Alors, ben ça, euh, Bernard Antier l'a déjà montré, c'est le nombre moyen de downloads qu'on peut avoir pour des références. On l'a fait là sur un euh, peu, peu plus de 51 000 références avec texte intégral en octobre euh, 2017. Ça fait quelques millions de, de downloads. Et si on l'a mis en accès restreint, voilà le nombre de downloads auxquels on peut s'attendre en moyenne. Donc, si on prend au total. Euh, ça fait 28 fois plus, mais en fait, ce chiffre, il est un peu faussé parce qu'à partir de l'Université de Liège, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, on a toujours accès, il n'y a pas d'accès restreint, c'est un accès systématique. Si on reprend simplement le monde extérieur, 36 fois plus downloadés si c'est un accès ouvert par rapport à l'accès euh, restreint. Et là euh, aussi, Bernard Antier l'a montré, on a essayé de voir si euh, le fait d'être sur Orbi augmente le nombre de, de citations euh, qu'on peut espérer, et les chiffres nous impressionne. Quand j'ai fait cette ces, ces analyse-là, euh, je l'avais d'abord fait sur Scopus avec un échantillon restreint, un peu plus de 300 euh, références. Et je me suis dit, ce pas possible. On ne peut pas doubler le nombre de citations simplement parce qu'on est plus visible sur Orbi. Euh, j'ai dû louper quelques variables parasites. Mon échantillon n'est pas bon. Et donc je l'ai refait beaucoup plus largement sur, euh, sur plus de 7000 références. En fait, l'ensemble des publications euh, 2007-2011, même résultat, le double de citations. Alors, je ne dis pas que c'est l'effet Orbi, euh, il y a peut-être encore autre chose qui nous a échappé, mais en tout cas, c'est congruent avec ce qu'on trouve ailleurs dans, dans la littérature. On a refait euh, aussi une autre analyse, c'est, et c'est très important pour nous, le nombre moyen de citations qu'on peut espérer dans l'année de publication. Donc je publie en 2017, combien de fois en 2017 je vais être cité Si on regarde le nombre moyen avant Orbi, on est environ 0,53 citations par article. Après Orbi, la moyenne monte à 0,78. Donc on a un gain de 47%. Alors, bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est de comparer ça avec des moyennes mondiales, indépendamment d'Orbi, parce qu'il y a peut-être une évolution du nombre de citations. Je n'ai pas ces chiffres-là, mais c'est quand même interpellant, parce qu'on voit clairement la coupure juste au démarrage d'Orbi. Alors, obligations, bâtons, etc., comment est-ce que les chercheurs ont réagi Eh bien, on a fait une enquête, euh, il y a euh, deux ans maintenant, auprès des chercheurs, pour leur demander leur degré de satisfaction. On s'attendait au pire, et voilà ce qu'on a obtenu. 90 plus de 90 des chercheurs se disent satisfaits, à très satisfaits euh, d'Orbi. Alors là, quand on impose quelque chose à l'université et que les gens sont satisfaits à 90 on ne s'y attendait pas euh, tout à fait. Alors, on a parlé beaucoup d'open access pour, euh, pour les articles, bien entendu, c'est l'essentiel, mais ce n'est pas que les articles. Et je voulais vous parler d'un cas euh, récent qui est tout à fait intéressant. C'est euh, Jean-Michel Lafleur qui a publié un ouvrage euh, très récemment, c'était mi-novembre, Pourquoi l'immigration. Et il a décidé, en plus de la version papier, de mettre une version sur Orbi en open access. Eh bien, trois jours après la publication, voilà ce qu'il m'écrit. C'est phénoménal. Un livre scientifique en Belgique francophone vend 500 exemplaires quand ça va bien. Ici, j'ai eu 3000 téléchargements en trois jours. J'ai regardé il y a quelques jours, on est maintenant au-delà de 11 000 downloads de son bouquin. Et donc, il n'aurait jamais pu espérer ça en vendant l'ouvrage de manière traditionnelle. Je lui ai demandé, c'était il y a une semaine, ça, combien de versions de papier avaient été vendues 43 sur la même période. Mais il dit l'éditeur n'était pas très content en fait avec l'open access, il l'avait négocié, donc l'éditeur n'a pas à se plaindre. En fait, il n'a fait aucune publicité, il n'est disponible dans aucune librairie. Si vous voulez l'avoir, vous devez le commander, et à ce moment-là, il l'imprime et vous l'envoie. Donc l'éditeur n'a pas joué le jeu, parce que chez un autre éditeur où il y a eu aussi de l'open access books, ce qu'on constate, c'est que le nombre de ventes augmente lorsque l'article, le, 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 le bouquin... Est en open access. Parce que pour quelques dizaines d'euros, on a le bouquin papier avec soi également, alors qu'il est si le, le bouquin était intéressant. Voilà les, les, les principales clés de la réussite, je pense, d'Orbi que j'ai essayé de reprendre ici. Il y a évidemment le mandat, c'était évidemment essentiel. L'incitant, si vous ne le faites pas dans vos évaluations, vous allez le payer tout de suite. La cohérence institutionnelle, j'avais très peur que Bernard Antier, dans les premiers mois, lorsque son cher collègue lui dirait c'est très bien Orbi, mais euh, en ce qui me concerne, euh, et non, il n'a pas cédé, il a été parfaitement cohérent, et c'est ça qui a fait gagner euh, le, le projet. L'outil orienté usagé et pas du tout bibliothécaire... Euh, c'est l'usager qui, qui est au centre et qui fait le, le travail. Les bénéfices directs pour chacun des acteurs. Beaucoup de communication. Je dis souvent qu'on a eu la chance, qu'on a traîné dans le développement de l'outil. On a pris presque un an de plus que ce que j'espérais. Et pendant cette année-là, on en a profité pour communiquer, communiquer, communiquer. Bernard Rentier n'arrêtait pas sur son blog et dans des messages aux chercheurs. Je faisais aussi ma part. Et les esprits ont changé. Quand l'orbier est sorti, les esprits étaient prêts à accepter le, le, le système. L'équipe. L'équipe qui est avec moi, l'équipe les Orbi Girls comme je les appelle, extrêmement investie, avec la volonté de répondre, de répondre, aux besoins des chercheurs à toute heure du jour et presque de la nuit. Et ça, ça a changé les représentations. La bibliothèque, c'est pas simplement à 17 h on est fermé, plus personne revenait plus tard. Vous avez une question par rapport au dépôt sur Orbi On est le 24 décembre. Vous envoyez par mail. Vous avez une réponse le 25 décembre matin ou plus tard. Okay. Alors, c'était en fait très organisé de manière à ce que ce ne soit pas lourd pour, pour l'équipe, mais ça a changé les mentalités chez les chercheurs. C'est un truc important pour l'institution, c'est un truc important pour les bibliothèques. On nous soutient et on nous aide euh, réellement. Voilà. Alors, dix ans maintenant, presque, Corby existe. On travaille sur une version 2 qui doit être encore plus conviviale, avec plus d'enrichissement de données, etc. Je ne vais pas m'attarder sur, sur tous les détails euh, qu'on nous à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie.